Alors tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Upcurd. Aujourd'hui, on revient un peu à la base de cette série, avec un Enderman juste là-bas. Et pourquoi je dis cela, que l'on revient à la base, je sais pas pourquoi il est venu de même, mais... Il est correct. Mais pourquoi je dis que l'on revient à la base de cette série? Parce que... Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher du slime. Peut-être beaucoup, parce que je n'ai pas trop le temps aujourd'hui. Justement, vu que je n'ai pas trop le temps, la vidéo va durer comme au début de la série et comme que j'avais pensé. Une série avec chaque vidéo d'environ 15 minutes. C'est ça que la base de cette série, c'est 15 minutes. Pas plus. Pas moins. Pas égal, en vrai. Pas énormément plus. Moins, ça peut aller, mais pas énormément. Je sens à peu près 15 minutes. 14-15 minutes. Et je peux le choix d'attendre. L'attendre qu'on a soit le soir. Ouais. Bon, je vais aller savoir si je peux tuer cet Enderman là. De toute façon, j'en ai besoin pour aller dans l'End. Et ouais, j'en ai besoin pour aller dans l'End. Nouvelle. Nouvelle triste. Mais. Combattons-nous pour ceci. Ceci, là par contre, je parle pour les Québécois. Surtout les Québécois. La ronde. J'ai fait une vidéo des 7 plus vieux manèges à la ronde. On se souvient de ça? Ok, il est parti. Dont un manège était la pitoune. Avec ça, il y avait une photo de Emma Weston en plus avec cette. Pour ce manège là, ça c'est. Je niaisais par contre. Mais là, la pitoune. C'est une mauvaise nouvelle. Ils disent qu'il ne fonctionne plus. Du moins, il est. Il était à la fin de sa vie. La pitoune, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, ça représente les draveurs. Oui, les draveurs. Quand ils sont arrivés au Québec, la seule façon de se rendre les biobois à domicile et tout ça, c'est avec la drave. Les draveurs les emmenaient, puis suivent le courant, etc. Peu importe. Avec ça, il y a un bateau avec un diable et plusieurs personnages. C'est une histoire, un conte, mais aussi une légende. Et oui, au Québec, on a des légendes. Et oui. Mais ceci, cette légende-là... C'est bien, ceci c'est vraiment du Québec. Ouais. Histoire du Québec. Puis c'est un patrimoine, cette pitoune-là. Parce que non seulement... Pourquoi je dis que c'est un patrimoine? Parce que ça fait 50 ans. Bon, c'est pas cause que ça fait 50 ans par contre. Mais bien plutôt parce que... comment dire ça? La ronde, ça fait 50 ans cette année. Et ça fait 50 ans que la pitoune est là. On pourrait dire que ça fait 50 ans que la pitoune est là. Je vous dis que non. Oui, elle est là physiquement depuis 50 ans. Fonctionnelle, malheureusement fonctionnelle pendant 49 ans.
Et pourquoi? Parce qu'elle est fermée en ce moment. Parce qu'il est à la fin de vie, comme ils disent aux autres, la compagnie Six Flags. C'est ça. C'est pas mal ça. Si vous regardez, vous allez voir Champion MMCL. Alors, c'est pas sérieux. Ah. Champion MMCL. Wix7.com baroblique champion MCL ou encore champion MCL.wordpress.com. Ben, il est sur le Wix7 qui est plus développé que WordPress.com. Wix7 baroblique champion MCL, juste pour vous dire. Puis juste pour vous dire, attends un peu. Merci. J'ai fait un. Écrit un texte. Puis j'aimerais ça que vous partagez ceci. Bon, honnêtement, ça serait bien que vous partagez cette information. Frélus, un texte argumentatif en principe. T'es pas. Il est pas construit exactement comme un texte argumentatif parce que je m'en fous tout simplement. Oui, je m'en fous tout simplement de la structure parce que en tant que je fais ça rapidement. Je fais ça tout simplement rapidement. Rapidement, oui et non. C'est juste le principe de dire que j'ai fait ça et rapidement. Mais c'est ça. J'irai voir, des fois j'ai trop de choses dans la section champion MCL, dont la vidéo ou un cluzuc avec un petit texte à côté. Et oui. Paul 375e de Montréal, ainsi que ma revendication pour la fermeture de la pitoune. Mais honnêtement, ce que je pense de ça. Ils font même pas l'effort. Ils disent ça fait 50 ans de service. Pas vrai, ça fait 49 ans de service. Ça ferait 50 ans, il serait ouvert au moins une journée fonctionnelle cet été, du moins cette saison. La saison a fait que commencer peut-être, mais c'est annoncé le mois passé. Vers la fin de. Le mois passé, qui vient de finir. Au courant de la semaine passée. Ou les 2 semaines, peu importe. Vers la fin du mois qu'on l'a appris ça. Il y a des pétitions. Ça a l'air qu'il y a une pétition qui circule pour garder la pitoune. Moi, honnêtement, je vais participer à cette pétition parce que. C'est comme enlever. Wouh! Je vais aller en haut. C'est comme enlever, comment dire ça, de l'histoire du Québec. Ouais. C'est de une histoire. C'est l'histoire du Québec. Puis enlever plutôt, c'est comme enlever non seulement un patrimoine, mais aussi l'histoire du Québec. Puis, absolument, un patrimoine. Si tu veux faire de quoi avec ça, il faut demander la permission au gouvernement. Ce qui faisait au gouvernement. Oh mon Dieu, que je pense que je dors. Ce qui faisait au gouvernement qu'il faudrait qu'il demande l'autorisation. Parce que c'est fait que bon, c'est pas grave. Il y a toujours des manèges qui doivent être remplacés, tout ça. Mais ça, c'est. Ils font même pas l'effort pour le 50e. De la Ronde et le 375 de Montréal. Ils font même pas l'effort de le réparer, du moins pour cette saison-là. Je suis d'accord qu'ils brisaient tout, mais c'est pas une raison de rien faire. C'est comme si. Non. On répare plus ça, on l'arrête, on le démolit, c'est quasiment ça, puis on s'en fout de ce qu'ils disent les autres. Parce que
Six Flags, c'est une compagnie américaine. Donc, moi, je vais y aller. On s'entend? Six Flags est une compagnie américaine. Puis on sait, les Américains pensent qu'à l'argent. Ils pensent uniquement à l'argent. On sait tout ça, hein? Bof. Un villageois. Zombie. Bien. On sait tout ça. Alors, les autres veulent garder leur, sûrement leur argent et non dépenser quoi que ce soit pour y réparer la pitoune. Ouais. Mais, je vais vous en dire plus davantage au fil du temps. Mais je voulais vous dire ça. Je voulais faire une vidéo juste sur ça, mais tant que ça, tant qu'à attendre. Que c'était temps qu'à attendre que la nuit tombe, je suis bien de faire ça, d'expliquer ceci. Voilà. Puis, sinon, autre sujet. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'écrit plutôt, sur un commentaire, fais des nouvelles vidéos parce que le nombre de vues. Et baisse. Pour le nombre de vues, il baisse, je le sais très bien. Ça fait longtemps que je sais que le nombre de vues a baissé. Il monte, il baisse, il monte, il baisse. Comme des montagnes russes. C'est simple. Mais, ce que je faisais par là. Oui, il va y avoir des nouvelles séries. Au moins une nouvelle série pour l'instant. Mais j'y travaille actuellement. Ça prend un CD. Ah, du slime. Parfait. Inquiétez-vous pas, je suis en train de faire des tests. J'ai pas fait assez de tests pour l'instant, mais je suis en train de. Je vais en faire plus davantage de tests. Pour pouvoir éventuellement comment faire cette nouvelle série. Oh, Canette. C'est parfait, il y en a tellement. Parfait. Hey, t'as combien? Je suis juste à 30? Ah ouais? Eh ben. Mais faut que je. Le problème, c'est que faut juste que j'essaie de faire fonctionner ça, puis si je me trompe pas, ils vont en plein écran automatique, quelque chose de même, mais faut que j'essaie de filmer. Là, c'est ça le problème avec la série que je veux faire. Faire les tests et tout. Il va y avoir peut-être deux versions de ce jeu-là. Oui, deux! J'ai bien dit deux versions de ce jeu. Une version, par contre, la qualité du match sera pas la meilleure. Plutôt, ce que je veux dire par là, pas la qualité en tant que telle, parce que la qualité en tant que telle, il conçoit le même. Pas mal pixelisé. C'est juste la façon de filmer. C'est la seule façon que je peux filmer ce jeu-là. Sinon, un jeu un peu plus récent aussi, mais c'est le même jeu, mais d'une autre version. Que j'aime bien aussi. Que j'aimerais percer là-dedans. Aussi. Parce que j'aime bien ce jeu-là. J'en dis pas plus, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain d'un pour cent que je n'en dis pas plus que ça là. Ouais. Vous allez le savoir au fil du temps. Quand que je vais réussir à le faire, mais inquiétez-vous pas, j'ai une nouvelle série. Des deux nouvelles séries.
Qui veut revoir le jour sur la chaîne? C'est pas une petite série non plus. Ouais, vraiment, ce n'est pas une petite série. Pas grave. En longtemps qu'il brise fond au bateau. Parfait. Voilà. C'est ça, être à la recherche de slime. On passe trop de temps ici. Surtout, là, ça coûte cher parce que on est, c'est loin de chez moi. Sur ma seconde chaîne, sachez que je vais faire une, peut-être pas tout de suite, je sais pas quand, quand je vais avoir le temps. Ça, c'est sûr. Je vais faire une série. Cette série-là, en gros, ça va être une série Minecraft, mais nomade. Peut-être je vais en faire une sur cette chaîne aussi, à un moment donné. Mais je veux ma première. Mais c'est sûr, ça va être sur la seconde chaîne en premier. Malheureusement, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça se fait même que aujourd'hui, je pense que même que c'est bien plus court que d'habitude que l'origine. Mais c'est pas grave parce que là, je n'ai pas vraiment le temps. J'ai décidé de tourner cette vidéo parce que je voulais, tout simplement. Mais je vais aller travailler. Ouais. Je vais aller travailler. Mais à cause de ça, on s'apprend mon. Cause de ça, la vidéo prend moins de temps. Qui est prévu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ouh, bonne journée, puis on vient de finir la soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Upcard, la série à laquelle, si je fais une erreur, non, mais fuck! L'avez-vous vu ça? Hein? Quel bug! Hey, juste avant, c'est mercredi! Hein? C'est mercredi, j'ai fait la vidéo Minecraft. Puis j'ai, à un moment donné, on dirait qu'il y a un zombie fantôme qui va m'attaquer. C'est à peu près ça, vous avez vu? Je regarde en arrière, il n'y avait aucun. Puis il est mort, puis voilà sa chair. Ou quoi? J'arrive pas à y croire. Vous avez vu ça aussi, hein? Vous l'avez vu, vous êtes témoin. Je me fais poursuivre par un zombie fantôme. Le moment inattendu de la vidéo. Je parlais vraiment de ça dans la vidéo légendaire MMCL qui est sur ma seconde chaîne YouTube. Puis c'est. Je disais ça comme ça. On dirait que je vais me faire attaquer par un zombie fantôme. C'est le cas! C'est vraiment le cas. Je me suis fait attaquer par un zombie fantôme. Je me suis vraiment fait attaquer par un zombie fantôme. En Upcard en plus, pas en 4K.
non upgrade, en upgrade. C'est bon. Waouh. Le titre de la vidéo, je me fais attaquer par un zombie fantôme. To upgrade, espace-espace, je me fais attaquer par un zombie fantôme. Vidéo 14, si je me trompe pas. Intéressant. On a survécu pour une 15e vidéo, on y va. Alors je vous dis, avec cette étonnante bug, étonnant bug, je peux me compréhender. Étonnant insecte, cause bug c'est insecte. Pour ça, je vous dis merci à tous.